Docteur, ici la directrice de l'école Anatole France 2 à l'appareil. Venez vite. Une maîtresse a eu un malaise. On va descendre dans mon bureau. Oui, au revoir. Là-bas, ils n'y comprendront pas plus. Il n'y a plus qu'à espérer. Hé, les gars, arrêtez-moi ! Je vais tout vous expliquer. Voilà, notre maîtresse est tombée dans le coma à cause d'un extraterrestre. Vous m'avez raconté des bien bonnes, mais des comme ça, jamais. Allez, venez les gars, on Ah, mais moi j'y crois. Moi aussi. Il faut absolument retrouver l'extraterrestre. Oui, mais comment? Attendez. On pourrait demander au professeur de nous aider. Ah oui, il s'occupe de l'espace et des extraterrestres, paraît-il. Vite, il n'y a pas une minute à perdre. Allons-y. C'est sûrement la marque laissée par l'engin de l'extraterrestre. Et s'il était déjà reparti dans son univers? Mais alors, qu'est-ce qu'il va arriver à Madame la Forêt? Bon, on ne se décourage pas, continuons. Qu'est-ce que c'est que ces signes? C'est ça nous lie à l'extraterrestre. Pas de temps à perdre, apportons-le au professeur. Tiens, il n'y a personne. Tiens. Eh bien, prends quand même, la porte est entrouverte. Mais où est donc Ornicard? Que faites-vous là? Notre maîtresse est dans le coma à cause d'un extraterrestre qui est rentré dans notre école. Il s'est mis à... Voyons, où est ce livre? Ah, le voilà! Venez, suivez-moi dans mon laboratoire. On passe mon sein. Il faut que je fasse cette potion pour déchiffrer ce balai. Bien, les enfants, je vais garder ce balai cette nuit pour l'examiner. Revenez demain. Grand Dieu!
liste des médicaments à avoir sur soi. Un antidote pour mal intergalactique, fiole bleue. 2. Antidote pour mal du pays, fiole rouge. 3. Antidote contre la bêtise humaine, fiole verte. Qu'est-ce que c'était ce galet, professeur ? Oh, c'était un galet normal, mais l'extraterrestre a dû faire tomber l'original sans s'en apercevoir et celui-ci s'imprimer avec l'humidité de... Alors, vous l'avez déchiffré ? Oui, c'est une liste de potions que l'extraterrestre a sur lui. L'une d'elles peut guérir votre maîtresse qui est atteinte du mal intergalactique. Il faut absolument que vous m'aidiez à retrouver l'extraterrestre. Bon, retournons sur la plage. Les traces de la secoue sont encore là. Cherchons, il doit bien y avoir un indice. Regardez, des traces de pas bizarres. Suivons-les. Regardez, un blocos! Il est sûrement là! Faites le guet, on ne sait jamais. J'ai été déposée par les miens pour étudier les terriens. Que me voulez-vous? Quand vous êtes partie de l'école, notre maître... Je peux vous donner l'antidote. Je ne vous veux aucun mal. Grâce à toi, je serai enfin le premier à percer les mystères de l'espace. Donne des fioles pour l'instant. C'est bizarre, il était pourtant gentil. C'est depuis l'autre soir. La potion. Et si c'était à cause du remords ? On a tous attendu ! Oh, il nous a bien eu ! Ça va, les gars ? Ne vous en faites pas, ce sont
Et maintenant, au professeur. Emparez-vous de lui. Vite, il y a une humaine. Avec quoi? Avec sa blouse. Vite, allons voir notre maîtresse. Oui, son état a dû empirer. Allez, je vous fais la cour d'échelle. Venez avec nous à 440. Pendant ce temps, Alexis, tu iras chercher le grimoire du professeur. À 440, passe-moi la fleur bleue. Et maintenant, au professeur, prévenant la police. Non, maman, arrêtez, il y est pour rien. Il y a un additif. Attention, celui qui fabriquera et boira cette potion, la nuit deviendra bête, méchant et cupide. Seule la potion contre la bêtise humaine pourra le guérir. Et alors, ce n'est pas de sa faute. Vite, la fiole verte à 440. À 440. Adieu les enfants, je retourne sur AXA. Si vous levez la tête, peut-être me verrez-vous dans le ciel. Brûlez le vieux grimoire, car nul besoin de magie ni de superstition. Jetez aussi dans ce feu les fioles vertes et bleues, couleur espérance pour la dernière fois. À vous maintenant de trouver d'autres moyens, car la bêtise humaine, la méchanceté et la convoitise, vous les combattez aujourd'hui avec les fioles vertes. Verte, couleur espérance pour la dernière fois. Adieu les enfants, je sais maintenant que nous pouvons avoir confiance.